Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de ma série Heroes of Might and Magic 2 sur la campagne avec Roland. On se retrouve donc dans notre scénario 3, Save the Dwarves. On va essayer de sauver les nains des griffes des sbires d'Archibald. Alors, on se retrouve donc avec un château et beaucoup de villages. Des villages avec uniquement une guilde de niveau 1. Une taverne, la vérité est là, ouais, tout à fait, ainsi que la possibilité de recruter des nains. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On ne peut pas améliorer les villages en château. Voilà, par exemple là on a des nains qu'on peut, on a des nains guerriers. Ici on a que des nains normaux, on peut pas prendre les nains guerriers, on peut pas faire des nains guerriers. Ici on a même pas de taverne. Bon, là on a notre super château et puis voilà. Donc on a décidé, enfin j'ai décidé, parce que du coup je peux pas trop vous demander votre avis, de jouer avec les nains guerriers, les sorcières, imbéciles. Donc on va se faire plaisir, on va se faire ça. Ok, allez c'est parti. On va se faire ça avec des stacks différents. Ok, c'est le domaine des nains, effectivement. On va commencer par aller prendre ça. Donc là, on a un deuxième héros hein, qui est niveau 1, qui peut pas faire grand chose. Si ce n'est faire évoluer ses nains. Il y en a également un troisième héros ici qui peut aller là, faire évoluer ses nains aussi. Alors oui, je suis sur une nouvelle version de F-Heroes 2 qui apporte enfin ce que j'attendais depuis très longtemps. La possibilité que les musiques ne reprennent pas à zéro à chaque fois qu'on rentre et qu'on sort du château. Et ça c'est trop bien. Vous voyez, là la musique elle est là, je rentre, il reprend où il en était, je repars, il revient. Et ah, ça c'est kiffant ça. Et même quand on finit un tour, hein, bien évidemment. Donc voilà, longtemps attendu, ça y est, elle est arrivée cette super nouveauté. Bravo à toute l'équipe pour ça, c'était un ajout plus que sympathique. Ok, donc là on a déjà un premier héros. Ok, il est pas foufou mais assez pour nous foutre dans la merde je pense. On va quand même prendre 6 nains pour essayer de lui faire un peu plus de dégâts, mais bon, c'est un peu peine perdue. Des galopins qui veulent nous rallier, évidemment. Contre-sort, on s'en fout. Ok, j'espère qu'il... Ouais, bah les nains... ne nous rejoignent pas, c'est dommage. Alors je pense que, de mémoire, hein, quand on gagne cette partie, après, les nains nous rejoignent automatiquement. On va prendre ça. Flèche magique, super. On va rester dans le coin, le temps de faire un premier... truc sympa. Archerie. Même pas de quoi acheter un quatrième. Ok, il aura perdu quelques troupes quand même. Petit principe, ok. Expérience, mysticisme ou sagesse avancée. On va prendre mysticisme déjà. On va faire la guilde de niveau 2. Ouais, on va les attaquer. Un peu d'expérience. Zombie, ça va être un peu juste quand même là. Charlie principe, mysticisme. Ok,
expérience, orientation, mysticisme, mysticisme aussi. Pour ça, il faut le chromelin. Ok, on va le prendre du coup. Sort de mort, ok. Orientation. Effet. Squelette, ouais. Prendre l'or. Là, on sait pas ce que c'est. Onde mortelle, ouais, pas ouf. Des nains, on prend. Mais oui, ralliez-nous. Médaille du courage. Finance principe. Oh. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, on peut les faire, je pense. On peut. Fait. Parfait. Pas perdre de temps comme ça. Là, je vais faire le tour puis je vais redescendre par là et là. Bien que j'aurais presque pu améliorer les nains gratos là-bas, mais bon, pas grave. On va quand même aller là-haut. En mine, ok. Alors. Aussi profiter de ça. Pourquoi pas prendre ce personnage là en attendant. En 16 nains là, j'avoue que ça va être un peu juste. Attendre un tour de plus. Alors. Allez faire ça déjà. On va aller prendre ça. Rejoindrai pour non. Bien trop. Ok, on a le potentiel de déplacement. On va aller par là. Ok, on vient ici. Après, on a ce qu'il faut, ça aussi. Les défenses, je suis pas pressé parce que je pense pas que l'ennemi arrivera jusqu'ici. Je suis pas spécialement pressé de ça. Par contre, ouais, il va falloir que je prenne rapidement ces bâtiments-là. On va pas les poursuivre. Voilà, ça c'est fait. De fée. Saloperie de fée. Ouais, bon, bah c'est chaud. Un sort ici, ok. Ouais, non, je préfère économiser pour le moment. Ok.
Ok, donc le but c'est qu'il prenne pas tous les villages nains, hein, donc il va en prendre certainement quelques-uns, ça c'est faut s'y attendre. Hein. On va renforcer un peu déjà. Voilà. Mais bon, après on va contre-attaquer et on va pouvoir lui faire mal. Et on va commencer à y aller avec ce héros-là qui je pense commence à être assez bien équipé pour. Encore des dégâts. Voilà, par contre on va recruter un peu ici. Et tiens, j'ai eu un petit crash du jeu, on dirait. Eh bien, je vous reprends tout de suite. Et on se retrouve donc après ce petit crash. Alors c'est normal, je suis sur une version de test hein, de F-Heroes, donc je pense que ça vient de là. Donc pas d'inquiétude, il y en aura peut-être d'autres, j'espère pas. Mais voilà, en tout cas je remonte les problèmes au fur et à mesure auprès de l'équipe, donc je pense que ça ira. On va commencer par ce déplacement là. Voilà. Ça me l'avait déjà fait aussi tout à l'heure. Donc les fées qui sont là, on va pas aller les emmerder, on s'en fiche. Ah ouais, punaise. Ok, je crois que effectivement ça recommence. Donc je vais voir pour rebasculer dans la version probablement d'avant, parce que je pense qu'elle est encore buggée avec ce problème de musique. Je vous remets encore une dernière fois en pause, merci. Ok tout le monde, on se retrouve après ce petit plantage auquel j'ai eu droit. Donc rien de bien méchant. Là je suis passé, j'ai attendu quelques jours et je suis passé sur la version officielle qui est sortie et non plus la version de test. Normalement le code a été réécrit, il devrait plus y avoir de plantage au moment de déclencher effectivement les musiques. Donc ça restera à voir, j'espère qu'on va y arriver. Mais bon, voilà. Normalement on peut reprendre où on en était. Alors. Donc avec elle, je voulais aller recruter des fées. Voilà, c'est fait. Ah ah, des fées, c'est fait. C'était drôle, non? Bref. Ici, je vais aller prendre de l'expérience. Logistique, parfait. Et on va aller voir à l'est, puisque j'ai vu qu'il y avait le héros qui se baladait là dans le coin, qui m'a pris mon village. Alors oui, j'ai passé un tour pour faire un test. Rien de bien méchant, il m'a juste pris ça, et c'est tout. Mais du coup, il n'est pas très 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 puissant, donc je vais voir si je peux pas aller un peu lui chercher des noises. Ça lui fera les pieds. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que je vais faire une place du marché, c'est même bonne, et je crois que je pouvais recruter un peu. Hein. Un petit peu, mais... Ok. Ok. De l'or. On va pouvoir recruter à nouveau. C'est un autre héros ça. 50 à 99 nains. Ah oui, quand même. On va faire gaffe à ça. Logistique aussi, on prend. Pourtant, il est pas très élevé hein, comme héros. Hein. Meilleure créature, c'est ça. Je suis surpris. Est-ce qu'on a moyen d'affronter ça? Une grosse armée quand même. Hein. Plutôt redescendre par là. Alors là par contre on peut recruter tout le monde. Voilà. Ce qui manque pour le coup.
Ouais, il me faut que des diamants. Ah oui, d'accord, mais il m'a. Ah, il a que ça par contre. Oh, attendez, il y a peut-être moyen quand même de l'avoir. Ah putain, c'est vrai qu'ils ont de la résistance magique. Reste là, tu restes là. Clair foudroyant. Ça va être dur, mais je... Oh, je sais pas, ça va être dur quand même. Ça tirerait bien avec l'effet, mais je sais pas si ça va marcher. Qu'est-ce que je pourrais lui faire d'autre? Combatteur, là. À part de l'éclair pour l'affaiblir, hein. On va le faire courir. Hein. C'est très très lent, donc il y a moyen, je pense, de l'avoir sur la durée. Ouais, ça va être long, hein, mais. Mais c'est. J'ai pas trop le choix en fait. Ouais, je commence à plus avoir assez de. Faut que j'affaiblisse au maximum en tout cas, ouais. On va garder un peu de magie pour plus tard, peut-être. Que je peux, hein. Je me marre tout seul. Mais... Extrêmement lâche, mais ça peut marcher. On a bien vu que le combat était perdu, hein, sinon. Ouais, bon, bah ça, ok. Ah, peut-être que je la tire avec les fêtes, de les mettre peut-être plus près. Très bien, mais c'était pas tant lui que je voulais. Une petite célérité ou un truc sur eux, non? Merde! Ah merde, j'ai mis ce clic. Bah oui, évident. Évident.
ça, la chance aussi que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de magie en face. Ça permet de faire vraiment la salope, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Mais bon. Ce jeu est tactique, donc... Mais non! Ah bah j'ai plus de munitions. C'est vrai qu'au bout d'un moment on a plus de munitions, j'avais oublié ça. Combien il m'en reste là des munitions? 12. Tu restes 12 ou 2? J'ai l'impression de 2. J'ai encore fait avoir, mais bon. Avec les nains qui me restent, je suis forcément gagné le combat. C'est le dernier tir restant. J'aurais dû le faire avant, mais bon. On va le faire fuir. Faut que j'y aille parce que on pourrait fuir. Et voilà. Ça valait le coup, hein. Clairement, ça valait le coup. Pour moi, hein, ça en valait largement la peine. Alors, par contre. Pas un fort quelque part pour améliorer les nains. Si, si. Ici on a ce qu'il faut. On va y aller. Comme armée reste. Il a d'autres héros apparemment. Oh oui, mais lui il est tout pété en fait. Je pense qu'il va direct me flécher dessus, non? Me faire un sort, non? Mais comment elle joue l'IA là? Elle est débile? Voilà, fin du combat. N'importe quoi. L'IA, c'est pas toujours ça. Hein. Alors, 500 pour un besoin de machin, on prend les sous. On va prendre ça au passage. Toi, on va prendre ça. Ça, on va prendre ça aussi en attendant. Toi. Tchouk. Et je peux faire le prêt en plus. Alors là, c'est cool. De toute façon, on va attendre la semaine d'après pour refaire un deuxième recrutement. Fasse gaffe parce qu'il y a d'autres héros. Ouais, ok, bof. Ah ouais, bon là ça demande, commence à être un peu plus sérieux là-haut par contre. Ouais, on va quand même attendre la fin du tour. À la fin de la semaine plutôt. C'est long mais bon.
peut-être aller les voir quand même, je pense qu'on devrait pas mourir. Voilà, on a pas mal de nains. Et on va attendre, on va aller en renfort de là-bas. La tour rouge, qu'est-ce qu'il nous manque? 30 pierres, 10 000. Il manque des pierres. Alors. Ah, ouais, alors on n'a pas beaucoup de solutions. Non, on va attendre le tour d'après, on pourra la faire. Du coup, là j'aurais bien plutôt. Oh, on va y aller, allez, tant pis. Yes, ils veulent me rejoindre. Parfait. Et la tour rouge. Allez, on finit la semaine. Et là, ça va y aller. Avoir une armée assez sérieuse, je pense. Tant pis, au moins on gagne une mine de plus. On va plutôt aller prendre les trucs comme ça. Améliorer les nains aussi avec eux. Avec lui, pardon. Et les druides. Au tour d'après, on recrute les druides et on se casse. On est parti. Ah, c'est quand même sympa la musique qui reprend où elle en était. Ça, c'est vraiment un petit truc sympathique. Héros niveau 4, ce héros niveau 7, c'est lui qui a tout. Ouais, ok, les artefacts. Je vais en faire mon héros principal quand même. Descendez, redescendez. Alors, on va avoir une sacrée armée de nains, moi je vous le dis. Est-ce qu'on peut les cumuler, tiens? On va voir. Pas l'impression. Je l'ai pas ressenti comme tel. Bon, ok, donc toi, merci, t'as fait ton boulot. Et toi, viens par là aussi. Vous voulez des nains? Voilà, 250 nains. Là, je vous dis que ça va calmer tout de suite les choses. Allez. Et que je vais pas savoir trop quoi faire là tout de suite.
Ah, tu peux fuir, mais t'iras pas loin. Ouais, prends la fuite, ouais. Toi, tu restes au château maintenant. On fera un deuxième héros un petit peu plus tard. Toi, on va prendre des ressources ou des trucs. Ce que j'aurais pu faire éventuellement, c'est retourner prendre le village qui est là. Mais bon, on va déjà aller reprendre celui-là. Pas mal. Débarque ici, ok. C'est le fameux Sir Galon. On va aller à sa rencontre. Hop. 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 Hop et hop. Voilà. La chance, on s'en fout un peu. Un génie à combattre, on le prend. Ah, elle fuit, ouais. Ça juste avant. J'ai surpris qu'il ait pris la fuite, tiens. Oh, 2 plus en mouvement, je peux vous dire que ce héros il a du mouvement. Et pas qu'un peu. Ça c'est top. Expert, parfait. On va les sauver les nains, on va les sauver. Mort et bon, le château il vient est là. Hein. Ça devrait pouvoir le faire. Voilà, le nombre de déplacements du héros, ça fait plaisir. On a beaucoup de sous, beaucoup trop de sous même. Tranquille. Je sais pas ce que ça fait la grotte de démon, tiens. Je m'en souviens plus du tout.
Il est où l'autre qu'on a vu là de héros? J'ai vu ressortir quelque part sur la map, mais. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, si, si, il est bien vers chez nous. Il a quoi? Ah, il y a beaucoup de nains quand même, hein? Allez, on va tenter d'aller le stopper. Ça va pas être simple, hein. Okay, ouais. On va trop me prendre la tête, je pense que c'est leur dernier héros. En fait, ouais, bon, faut pas grand chose en fait. Parce que les autres sont pas améliorés. Brrrap là. On va bien voir. Ok. On a subi une défaite. À 95! Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Hein. 95 nains, c'est beaucoup. On va essayer de prendre le temps comme tout à l'heure, mais. Ah, les nains sont très très résistants, donc c'est vrai que c'est pas facile. De l'éclair. Maintenant, bah c'est comme d'hab. Hein. Et l'usure. Salaud qui résiste. Un peu de dégâts quand même. Rien perturbateur, ça passe. Voilà. Ça affaiblit beaucoup ça aussi. Ouais, là ça y est, on commence à inverser la courbe. Une fois un LIA, ça dépend des fois. Hein. La preuve. Hein. Que là, c'est largement une victoire pour nous. Hein. Bon, après, une IA, on peut pas lui demander d'avoir la technique d'un humain, hein, mais vous voyez, finalement, c'est une victoire. Chance avancée, orientation avancée, on s'en fout.
Et puis là, bah, je pense qu'il n'y a plus qu'à reprendre les villages en fait, et puis on sera bon. Allez hop, on y va. Premier arrivé. C'est quoi le raccourci de ça? C'était M, hein. Ouais, c'est ça, M. Je vais voir qui arriverait le premier, mais. Je crois que c'est déjà tout vu. Et. Cela dit, je vois du. Ouais, non, mais si, il doit y avoir encore un village nain par ici ou quelque chose comme ça. Je vais y voir. Je vois pas ce qu'il leur reste. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose dans le brouillard de guerre là. Ouais, y a un héros planqué, c'est pas possible. Alors là, ah mais si, il dépasse là. Oh mais quel idiot, je l'ai pas vu. Ah et puis c'est vrai que là, quand il y a le brouillard de guerre comme ça. Qu'est-ce qu'il... Ah ! Bien arrivé. Il considère pas les déplacements. Voilà. Brooklyn a envoyé un messager pour vous faire part de son éternelle gratitude à votre égard. Pour vous remercier de l'aide que vous lui avez apportée, il tient à vous faire savoir que sa communauté vous soutiendra sans condition, aussi longtemps que vous me soutiendrez. Il a déjà envoyé des troupes dans les montagnes de Karator. Vous aurez donc des renforts pour mieux affronter Archibald. Ses forces n'attendent plus que vos ordres. Et voilà, on a fini ça. Du coup, on a l'alliance des nains. Les nains se joindront toujours à notre armée. Donc on affronte 4 ennemis alliés dans une lutte directe pour les ressources et les trésors. Capturer tous les châteaux ennemis pour remporter la victoire. Ok, bah je prendrais bien les magiciens, peut-être les chevaliers pour changer un petit peu. Ouais, je prends les chevaliers pour changer, tiens. Et ben voilà, ben je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que je pense que ça a assez duré comme ça. On est à... Oui, oui, la vidéo a assez duré comme ça. Je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous serez content malgré tout du dénouement. Et je n'ai pas eu de plantage, donc je pense que le problème est résolu. Donc c'est que du bonheur, merci à toute l'équipe d'Def Heroes 2 qui fait un boulot incroyable et qui corrige très très vite les problèmes aussi, c'est top. Et surtout vu les nouveautés annoncées à venir, les petites améliorations, franchement... C'est vraiment bon, c'est vraiment du très bon, ils font du très très bon boulot. N'hésitez pas à, si vous avez ce jeu, que vous jouez encore à ce jeu, n'y jouez plus sans le moteur Def Heroes 2, ce serait du gâchis, honnêtement. Allez, à très bientôt tout le monde, merci, bye bye.